En 2004, alors qu'elle était toute jeune, Priscilla Betty chantait toujours pas d'amour avec beaucoup d'entrain. La voilà moins joyeuse, en 2022, alors qu'elle constate avec désarroi qu'elle est célibataire depuis de nombreux mois. Côté professionnel, tout roule pour la belle artiste de 32 ans, qui prépare actuellement un nouveau spectacle avec Cecilia Cara et Ginny Line, avec des reprises de tubes de comédie musicale, qui devrait se jouer au Palais des Sports de Paris en mars 2024. Mais bien installée dans son appartement situé à Nice, avec son bulldog baptisé Rio, elle rêve d'autre chose. Ça commence à me peser si esti en interview, dans le magazine Public, que Priscilla Betty a accepté d'évoquer sa vie sentimentale, et notamment ses envies de mariage. La famille, la belle robe. Mais il faudrait que je trouve quelqu'un, parce que ça fait 2 ans que je suis célibataire, et ça commence à me peser, explique l'ancienne candidate de l'émission Danse avec les Stars. Le manque de tendresse, le fait de n'avoir personne avec qui échanger le soir. Si vous voulez postuler, messieurs, il va falloir remplir certains critères. L'artiste de 32 ans avoue aimer les hommes qui ressemblent à Josh Duhamel, grand, costaud, avec une bonne situation, gentil, à l'écoute et qui s'occupe bien d'elle. Je ne suis pas du tout plan cul, vous ne risquez pas, en revanche, de la croiser sur une quelconque application de rencontre. Je ne vais pas sur Tinder et je rencontre rarement des gens hors de mon cercle, admet Priscilla Betty. En plus, je ne suis pas du tout plan cul, je cherche quelque chose de sérieux. J'ai 32 ans, je veux être maman. Un joli projet qui devrait se réaliser quand la chanteuse aura, finalement, trouvé chaussure à son pied. En attendant, elle ne chôme pas. Outre son projet de spectacle musical, elle continue à être chroniqueuse pour W9, à chanter lors de mariages et de grands événements et a pour ambition de passer davantage à la télévision. C'est tout ce qu'on lui souhaite pour 2023. Retrouvez l'interview intégrale de Priscilla Betty dans le magazine Public du 30 décembre 2022.